Je suis vraiment inquiète. Je n'ai pas d'idée pour l'émission et ça va bientôt commencer. Bapou, s'il te plaît, surprends-moi et aide-moi à trouver des idées. Laisse-moi rire. C'est ton émission, pas la mienne. Alors débrouille-toi comme une grande. Je pense vraiment à me séparer de toi. Tu ne me sers vraiment à rien. Koulou, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'aider à trouver des idées pour mon émission? Bien sûr, ma puce. Tu commenceras par une séance de bricolage avec Tata Lydie. Ensuite, tu iras chez tonton Nouta, qui est graphiste et qui va t'ouvrir à la magie de son beau métier. Et tu finiras avec un conte dit par le seul et unique Azazou. Oh, ma Koulou adorée. Sans toi, je suis perdue. Tu es vraiment la meilleure. Top là. Les amis, maintenant que vous avez vu notre programme, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Suivez-moi. Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoukoulou. Zoukoulou est une émission TV pour les enfants dans laquelle on apprend à faire du bricolage, là où on découvre des métiers et ensuite on découvre le magnifique conte de tonton Azazou. Mais pour l'instant, on va rencontrer Tata Lydie qui va nous montrer comment faire le corbeil à faire. Bonjour Tata Lydie. Coucou Aude. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va apprendre à faire un petit panier en forme de fleurs. Alors, on a besoin de quoi? Nous avons besoin de papier cartonné de différentes couleurs. Nous avons besoin d'un tube à colle, un crayon, une règle, une gomme et une paire de ciseaux. Nous sommes donc déjà au niveau de l'assemblage. Nous avons déjà découpé et commencé l'assemblage. Voici la anse de notre panier. Alors tu vas mettre la colle ici et là. Voilà, super. Et maintenant, on fait comme ça et là. Maintenant, tu peux décorer ton sac à taguer ici, ton panier. Ah, oui. Là, tu vas former ton prénom avec. L'autre sens. Voilà. Ok. Attendez. C'est bon. C'est pas difficile. Génial. Tu peux rajouter de ce côté. Et voilà. C'est bon, nous avons fini. Super, Aude. Voilà ton panier. Waouh, les amis, il est vraiment magnifique. Je vous invite à le refaire chez vous. Merci, Tata Lydie. Je t'en prie, ma chérie. Maintenant, nous allons voir Tonton Notaire, qui est infographe et qui va nous parler de son métier. Regardons. Bonjour les amis, bonjour Aude et bienvenue dans l'univers de l'infographie, du graphisme et de l'illustration. Je suis Hervé Nouchaya, je suis illustrateur graphiste et auteur de bandes dessinées. L'infographie est un métier passionnant, c'est un métier qui va associer beaucoup de compétences, parmi lesquelles le dessin, la gestion de photos, c'est-à-dire un peu de photographie, la manipulation de photos, ce qu'on appelle retouche d'image, et puis l'utilisation des logiciels de conception comme Illustrator, Photoshop, et enfin, l'impression qui est la phase finale du travail que nous avons à réaliser dans le cadre de l'infographie. Pour réaliser un support comme celui dont je vais te parler tout à l'heure, qui est une affiche, j'ai un échange avec un client qui a un besoin, qui doit réaliser un support pour son événement, pour son activité ou simplement pour sa communication personnelle. Pour ça, j'aurai besoin de discuter avec le client pour qu'il me présente un peu son besoin et après qu'on puisse rassembler les éléments pour réaliser son visuel. Parmi ces éléments, il y a donc les photos, il y a du texte qui va donc servir de contenu, et puis il y a l'idée générale même du projet qu'on veut réaliser. Pour faire ce travail, je passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est un crayonné qui consiste en fait à matérialiser l'idée du client sur du papier en utilisant du crayon, de la gomme, parfois des stylos à billes, et l'objectif à terme, c'est de pouvoir échanger avec mon client et valider, donc être d'accord sur ce qu'il a envie que je réalise pour lui. Une fois cette étape passée, je viens sur mon logiciel et sur mon ordinateur et je commence à faire de la conception. La conception que je vais réaliser va passer par la retouche d'abord des photos. Je vais récupérer les images que le client m'a données, je vais les modifier, je vais les adapter par rapport aux besoins de son affiche. Ensuite, je vais les intégrer à un support, qui est donc le visuel final, à travers le logiciel que j'utilise pour faire la création. La somme de ces éléments est donc importée sur un autre logiciel qu'on appelle InDesign, qui va me permettre à ce moment-là de faire donc la composition de tous ces éléments et de les disposer pour avoir l'affiche que le client souhaite avoir. Bienvenue dans mon monde. J'espère que tu auras envie de faire ce métier et que dans le cadre de tes activités avec tes amis, vous aurez l'occasion de rencontrer un graphiste pour réaliser vos affiches, vos logos et surtout de monter des journaux ou des magazines. Merci à toi. J'espère te retrouver très bientôt dans mon univers. On parlera peut-être d'autres choses, peut-être des étapes de façon beaucoup plus précise en prenant le cas de l'illustration et de la bande dessinée qui est un autre métier que j'exerce. Merci à vous. Soyez les bienvenus dans mon univers et restez-y. Ciao, ciao. Bienvenue à l'école La Patience. Maintenant, nous allons rencontrer Tonton Azazou qui a une belle histoire à nous raconter. Soyez attentifs. Wouhou! Hey, hop! Hey, hey, hey. Oh, 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 yeah. Salut les enfants. Bonjour Tonton Azazou. Merci. Comment allez-vous aujourd'hui? Yeah. Très bien. Vous savez quoi? Puisque vous allez bien, moi aussi, je vais bien. Voilà, je suis là et j'ai une petite histoire à vous raconter. Vous savez, autrefois, Koule la tortue et Mvolokuma le coucou étaient de très bons amis. Ils marchaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils jouaient au football ensemble. Ils se stressaient Ils partaient à la plage ensemble. Oui, ils faisaient tout ensemble. Mais surtout les amis, ils chassaient ensemble. Un jour, ils ont attrapé le petit singe lors d'une partie de chasse. Ils ont ramené le petit singe tout vivant à la maison. Ils l'enchaînèrent dans la cuisine de Coule la tortue. La garde du petit singe fut donnée à leurs enfants. Les deux amis retournèrent dans la forêt creuser les patates pour manger le petit singe. Savez-vous ce qui s'est passé ce jour-là? Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? Dans la cuisine de la tortue, le petit singe a commencé à chanter. Pendant qu'il chantait, les enfants vont lui dire, mais tiens, petit singe, comment tu fais pour danser avec deux pieds enchaînés? Je suis un danseur professionnel. Je danse depuis le ventre de ma mère. Si vous essayez seulement de me détacher mes deux pieds, vous verrez de quoi je suis capable. Alors, les enfants lui détachèrent les deux pieds. Alors le petit singe s'est retrouvé sur la charpente, puis sur la toiture, puis sur le grenier, puis sur la table, puis sur la porte. Le petit singe s'est retrouvé dans la cour. Bam, bam, bam. Badjaza, talitu, talita, badjama, talitu, talita. Puis sur l'avocatier, puis sur le mandarinier, puis sur le manguier. C'est comme ça que le petit singe s'est retrouvé dans la forêt. Vous savez, les amis, il faut toujours faire du bien à tout le monde. Faites du bien à tout le monde, même aux gens qui vous veulent du mal. Faites le bien à tout le monde, comme que le petit singe. Badiaza, talitu talita, badiama, talitu talita. Merci. Mwana biali ya simangwana bang, mwana biali ya simangwana.